Bonjour. Bonjour. Bonjour Gérard Raymond, excusez-moi, j'ai cru que j'avais un petit problème technique, mais apparemment tout va bien. Bonjour Gérard Ça marche. Raymond, vous êtes président de France Asso Santé, une organisation qui fédère près de 85 associations différentes, dont la mission est de représenter et de défendre les patients et les usagers du système de santé. Alors j'aimerais aborder avec vous la question de la campagne de vaccination contre la COVID-19 qui est actuellement en cours et que le gouvernement accélère par tous les moyens possibles. Ma première question, c'est de votre point de vue, qu'est-ce qui fait le succès d'une campagne de vaccination? Puis ensuite, on abordera tout ce qui est en lien avec la campagne actuelle. Merci pour cette invitation. Juste un petit mot sur ce qu'est France Asso Santé. C'est l'Union nationale des associations agréées du système de santé qui regroupe 85 structures, que ce soit des associations de patients, mais aussi de consommateurs, du handicap, des personnes âgées, des associations de familles. Et donc, on voit bien que c'est une union qui fonde ce que certains ont appelé la démocratie en santé, c'est-à-dire la participation citoyenne des usagers de la santé au développement de notre système de santé en défendant les droits, mais aussi en étant force de proposition pour pouvoir faire évoluer notre système de santé. Et aujourd'hui, on sait combien il faut que notre système de santé évolue et s'adapte aux conditions actuelles de crise sanitaire. Vous me posez la question sur la campagne de vaccination. On sait que dans ce pays, au pays de Pasteur, les Français sont assez réticents à la vaccination, hein. Et on a vu le flop que ça a été en 2011 de la vaccination du H1N1. Cette fois-ci, les conditions sont totalement différentes et je pense qu'effectivement, même s'il y a eu quelques réticences ou quelques peurs et quelques craintes légitimes et normales de la part de nos concitoyens, face à la gravité de la pandémie qui est devant nous, le vaccin est devenu aujourd'hui la seule voie de sortie et de retrouver une certaine vie normale. Et donc, on a bien vu que dès que les premiers vaccins sont arrivés, une ruée vers les centres de vaccination, une demande très forte, effectivement, des patients et des citoyens pour la vaccination. Et donc, on peut considérer qu'aujourd'hui, certainement, face à des situations extrêmes de conditions de vie et de mortalité, eh bien, les Français acceptent effectivement la vaccination, d'autant plus qu'elle représente incontestablement, avec le recul que nous pouvons avoir, un bénéfice énorme pour pouvoir retrouver une vie quasiment normale. Oui, comme vous le soulignez, il y avait eu quelques craintes liées au mouvement anti-vaccin avant le début de la campagne qui ne sont heureusement pas réalisées et concrétisées, pardon. Et donc, ma deuxième question, c'est comment les usagers, de votre point de vue de président de France Asso Santé, ont vécu ces premiers mois de vaccination? Est-ce qu'ils ont été plutôt contents de la façon dont les choses se sont mises en place? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que, selon vous, ils ont été suffisamment impliqués dans cette campagne? Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on pourrait faire pour les impliquer davantage? D'abord, évidemment, on a été très heureux dès la fin de l'année 2020 d'apprendre que les vaccins allaient arriver parce qu'on aurait pu attendre beaucoup plus longtemps. Après, effectivement, vous l'avez dit, il y a eu quand même ces inquiétudes avec ces nouveaux vaccins ARN messager, c'était quoi, etc. Donc, il y a eu quand même quelques remontées anti-vaccins, mais qui ont été vite balayées. Et dernièrement, le AstraZeneca nous a posé quelques soucis, notamment sur les personnes jeunes, qui ont eu certaines inquiétudes, mais qui montrent toute son efficacité pour les personnes d'un certain âge. Donc, on a été effectivement assez enthousiaste, entre guillemets, pour aller se faire vacciner. Manque de peau, nous avons là aussi un mal français, la stratégie, la logistique, et puis surtout, très rapidement, effectivement, la pénurie de vaccins, nous ont. Il y a eu une certaine cacophonie dans la mise en œuvre et quelques tensions se sont créées effectivement. Les citoyens ne pouvant pas, ou les personnes éligibles
à la vaccination en priorité, ne pouvant pas se faire vacciner, on a senti, de la part particulièrement des patients qui étaient éligibles, on a senti une certaine tension, une certaine impatience et parfois, évidemment, une grande incompréhension de la façon dont était gérée la mise en œuvre de ce grand plan de vaccination. Pour cela, nous avions agi effectivement auprès des institutions hein, pour qu'on ait une véritable logistique, qu'on ait une véritable hiérarchisation aussi des patients. Et si nous avons accepté que ce soit d'abord les personnes en EHPAD les plus âgées, les plus fragiles, nous avons aussi réclamé très vite que les professionnels de santé soient aussi vaccinés. Et ensuite, nous avons aussi réclamé que les personnes de plus de 75 ans et les personnes avec des comorbidités importantes soient aussi en priorité. Nous avons soutenu la liste présentée par la commission Fischer et pour que, effectivement, on ait d'abord en priorité des vaccins pour les personnes les plus fragiles. Ensuite, effectivement, petit à petit, on le voit bien aujourd'hui, s'ouvre la vaccination à d'autres catégories de personnes. Le seul problème aujourd'hui, c'est effectivement la quantité de vaccins qui est à notre disposition pour pouvoir vacciner un maximum de personnes le plus rapidement possible. Et justement, de ce point de vue, pardon, je vous en prie, Non, allez-y. pour finir sur les relations qu'on a pu avoir, on a beaucoup dit que effectivement la démocratie en santé et les citoyens avaient été totalement écarté, ce qui était vrai dans la première crise au mois de mars il y a un an. Petit à petit, nous-mêmes, qui sommes quand même une institution et avons des relations régulières, que ce soit avec le ministère de la Santé ou l'assurance maladie, avons repris évidemment des contacts pour faire reconnaître nos revendications et une participation citoyenne à la mise en place, particulièrement de la vaccination et de reconnaître les hiérarchies. Aujourd'hui, nous avons deux fois par semaine des rendez-vous, que ce soit avec le cabinet du ministère ou que ce soit à la direction générale de l'organisation des soins, afin de pouvoir faire le point sur, d'un côté, la stratégie de vaccination, d'un autre côté, un sujet qui nous préoccupe au plus haut point, vous le comprendrez, c'est aujourd'hui les déprogrammations Bien et sûr. les tris des patients à l'entrée à l'hôpital. Oui, parce qu'effectivement, de ce point de vue-là, l'épidémie va avoir des conséquences dont on n'a pas encore pris totalement la mesure. J'en ai peur. Et est-ce que vous pensez, pour terminer sur la vaccination, peut-être que la stratégie du gouvernement à l'heure actuelle est celle qui convient? Et surtout, est-ce que les objectifs vous semblent atteignables? Vous me disiez que vos rapports avec le gouvernement se sont largement améliorés par rapport à la première vague. Est-ce que maintenant vous êtes entendu sur ces points-là et est-ce qu'ils vous paraissent les bons? Alors, entendu, on peut l'espérer. On a quand même des signes aujourd'hui relativement intéressants d'écoute, puisque au début, la stratégie de vaccination était axée sur les médecins. Nous, on a dit que les médecins n'étaient certainement pas les mieux placés pour faire de la vaccination de masse, qu'ils étaient certainement importants, mais pas que. On a réclamé très vite, effectivement, que les pharmaciens puissent se vacciner et d'autres professionnels de santé puissent se vacciner. Ensuite, nous avons réclamé que les infirmiers libéraux puissent vacciner, pas simplement vacciner, mais aussi prescrire le vaccin, c'est ce qui est le plus important, d'une façon, effectivement, afin de pouvoir aller toucher toutes les personnes les plus éloignées des centres de vaccination et qui ne peuvent pas se déplacer dans les vallées de montagneuses ou dans d'autres endroits. Et effectivement, on a été entendu assez rapidement, d'ailleurs. Et aujourd'hui, on peut dire que on a des bras pour vacciner, on a des vaccinodromes important, alors qu'au début, on nous disait non, non, pas besoin de vaccinodrome, les médecins le feront. Donc, on voit bien que on a mis petit à petit en place une stratégie qui correspondait à peu près à ce que nous voulions. Nous avons voulu aussi hiérarchiser les personnes en priorité de vaccination. Nous l'avons eu. Il ne manque qu'une troisième inconnue, c'est le nombre de vaccins. Et là, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose si ce n'est que réclamer, réclamer, réclamer le nombre de vaccins. On nous annonce
de nouveaux vaccins pour le mois d'avril et des importations encore plus importantes au cours du mois d'avril. Nous avons les bras pour vacciner. Il y a une demande énorme pour le faire. Souhaitons que peut-être fin avril, on sera dans les clous d'avoir vacciné le nombre de personnes qui le désirent. Merci beaucoup, Gérard Raymond. Peut-être pour conclure très rapidement, parce que le temps file, quels sont selon vous les enseignements à retenir de cette campagne de vaccination? Ce qu'il faut retenir, que face au danger, les Français savent quand même aussi connaître ce qu'il faut pour se protéger, hein, et que en période normale, voilà, on n'est peut-être pas très, très on se précipite pas pour se faire vacciner. Là, on voit quand même qu'il y a une vraie volonté parce qu'effectivement, le danger est là. Ce qu'il faudra retenir certainement de cette période, c'est que notre système de santé n'était pas prêt, notre système de santé n'était pas organisé effectivement à pouvoir subir des crises sanitaires longues et fortes. Il faudra le repenser et effectivement sur des axes de vaccination, de mobilisation générale comme nous devons le faire, eh bien, il va falloir réfléchir effectivement à ce qu'on soit toujours en permanence, en éveil et prêt. Donc, il y a certainement derrière cette crise sanitaire-là une refonte de l'organisation de notre système de santé, une refonte certainement aussi de l'organisation des professionnels de santé entre eux, notamment sur les territoires. Donc, on voit bien que certainement notre système de santé devra se modifier et puis aussi, à la lumière des nouvelles technologies qui sont là, le numérique en santé devra aussi permettre de transformer ce système de santé pour qu'il soit beaucoup plus efficient et surtout qu'il soit beaucoup plus près des citoyens, de ceux qui souffrent, des patients, des usagers de la santé, et en s'appuyant surtout sur leurs attentes et leurs besoins et en les écoutant. Ce qu'on a pu constater, c'est qu'on ne nous avait pas suffisamment écoutés et que certainement aujourd'hui, les tensions qu'il peut y avoir, c'est peut-être parce qu'on ne nous a pas écoutés, on ne nous a pas entendus et qu'on ne nous a pas fait confiance. Et donc, peut-être un retour aujourd'hui de manivelle sur ce manque de confiance que l'on peut mettre dans les instances qui nous dirigent. Merci Gérard Raymond, espérons que votre message sera entendu et puis bon courage pour les mois qui nous attendent Merci. encore. Merci. Merci.